Les petits rituels à mettre en place pour affronter au mieux la rentrée, de prime abord, je dirais, c'est de retravailler le sommeil. C'est vrai qu'en vacances, on a tendance à décaler ses rythmes, à se coucher plus tard. Or, pour tout un chacun, que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes, le sommeil, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on a un bon sommeil, on résiste mieux à la fatigue, on résiste mieux au stress, même notre appétit est beaucoup mieux régulé. Donc ce qu'on peut mettre en place, c'est basiquement une tisane. Les tisanes qui passent bien pour les enfants, c'est les tisanes qui associent des fleurs de lavande avec des boutons d'oranger. Ce sont des plantes qui calment, qui relaxent, qui apaisent. Donc pour les adultes, elles seront bienvenues. Pour les adultes qui auraient des troubles du sommeil un peu plus sévères, on peut y adjoindre un petit peu de passiflore ou de valériane, qui sont des plantes vraiment plus sédatives et qui vont aider sur la qualité de l'endormissement et prévenir les réveils nocturnes. Deuxième petit rituel de cure à mettre en place à la rentrée, c'est classiquement la cure de magnésium marin, du magnésium marin associé à de la vitamine B6, parce que la B6 permet une meilleure assimilation du magnésium. Ça, on peut en donner aux enfants très tôt, dès le CP, dès l'âge de 6 ans. Et puis les ados, les adultes qui sont stressés, en gélule, une à deux le matin, une à deux le soir, le magnésium s'aide à mieux gérer le stress, la fatigue et avoir une meilleure récupération lors du sommeil. Pour prévenir tous les petits rhumes qu'on va avoir du fait de la collectivité quand on est en classe ou quand on est au bureau avec ses collègues, la cure de gelée royale est indiquée. La gelée royale, ça stimule nos défenses immunitaires. Un autre produit de la ruche que la gelée royale qui est indiqué à la rentrée, c'est la propolis. La propolis, c'est une résine que sécrètent les abeilles. C'est un anti-infectieux très puissant qu'on utilise aussi bien en préventif qu'en curatif. Et ça, pareil, on peut en donner à toute la famille dès le plus jeune âge pour éviter de tomber malade l'hiver.